Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! Nah, it's the motherfucking bird, man! Aha! Oh -oh! Rebonjour tout le monde et re bienvenue sur la chaîne pour TW 2016. WWF, quatrième semaine du mois d'août 93. On est dans la semaine de SummerSlam, dernière semaine avant notre pay-per-view, the biggest party of the summer. La carte de SummerSlam étant la suivante, Sid Vicious Psycho Sid, Sid Justice, peu importe qui. Sid contre Randy Savage pour le titre WWF à SummerSlam. Les Legion of Doom vont défendre leur titre par équipe contre les Natural Disasters. Le British Bulldog va défendre le titre intercontinental contre le Heartbreak Kid, Shawn. Michaels, Rowdy, Rowdy Piper contre Owen Hart, Lex Luger contre Rick Flair, Barry Windham contre IRS, Mr. Perfect contre Razor Ramon. Four Corner Tag Team Elimination Match, les Steiner Brothers, les Quebecers, les Smoking Guns et les Ed Shrinkers. Les gagnants auront une chance au titre par équipe à One Night Only, le prochain pay-per-view. Le Big Boss Man contre King Kong Bundy. L'Undertaker contre Rick, le modèle Martel. All Kogan contre Yokozuna. Et Tatanka contre Crush. C'est notre carte pour SummerSlam. On avance, dernière semaine. On n'a aucun match de prévu d'annoncer pour cette semaine. Comme d'habitude, semaine de pay-per-view. On va essayer de faire ça short and sweet pour se rendre au pay-per-view. On avance au Superstar. On a quand même plusieurs blessés, malheureusement. Euh, Southeast, pourquoi pas. Au Pyramid Arena. Donc, on book ça, les superstars. On revient avec les résultats. À tout de suite. All on est prêt pour les euh, superstars devant 20 142 personnes au Pyramid Arena. Dernier superstar avant le pay-per-view Slam. On a trois matchs de pre show On a Silver King contre Brian Adias qui fait ses débuts avec la WWF, avec son euh, turncoat, gimmick. Et euh, ouais, il est blessé. Il cliquait pas. Et Brian Adias est blessé. Euh, L'injury a fait un big toll. Ça a le, le, fait mal. faudrait peut-être pas l'utiliser pendant sa blessure. Euh, en tout cas, Brian Adias va aller chercher la victoire par soumission contre le Silver King. Tank team match. Bill Tab et Larry Hamilton vont affronter les Yukon Lumberjacks. Les Yukon Lumberjacks vont l'apporter avec un Flash Breaker de Scott Norton. 42 pour Norton. 75 pour John Norton. John Norton c'en est un des gars que. On le dit, mais il n'est pas mauvais. Et euh, Hamilton et Tab, 33 et 32. C'est euh, leur meilleure performance. Donc euh, déjà mieux que certaines équipes qu'on a. Euh. Oh, oui, j'ai coté les euh, Awesome Kong et Crusher Kong. Même si. Euh, il je leur donne à peu près 30 000 chaque mais je t'étais tanné deux autres, je suis tout le temps. Fait que c'est terminé. Et dernier match de pre un rematch entre Rambo et Damien Demento. Damien Demento va l'emporter avec un jumping knee drop en 8-14. 18 pour Rambo. 23 pour Demento. C'est pas fort. Et là, je vous dis, c'est pas le, 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 le meilleur superstar qu'on va faire. après ça va être un des moins bons. C'est parce que est juste avant le pay-per-view, donc je ne pas trop dire les gens qui sont dans les matchs au pay-per-view. Pas qu'il se blesse, je pense qu'il y a juste une personne de la gang qui lutte. Non, deux en tout cas. On ouvre <coughs> la euh, carte avec Yokozuna qui va s'amener sur le ring avec Mr. Fuji avec le drapeau du Japon. Et là, Fuji va branler le drapeau pas à peu près dans le ring. va commencer à dire que le Japon c'est le plus meilleur pays du monde, hein? c'est pas les États-Unis d'Amérique. Et là, ça n'en prend pas plus pour que Hulk Hogan arrive avec son drapeau des États-Unis, Old Glory, et Hogan va dire à, à, à Fuji et Yokozuna, tu peux, tu, vous pouvez m'insulter, mais vous pouvez pas insulter les États-Unis. Hogan qui va essayer d'aller chercher de la sympathie, de la foule, et euh, Hogan qui va dire à euh, SummerSlam, Slam, Yoko, l'ai déjà dit, ça va être le biggest body slam of the history, et euh, les États-Unis vont prevail sur le Japon. Comme en Deuxième Guerre mondiale. 99 pour le opening segment. Et voilà. Donc c'est un strong start. Donc Hulk Hogan était fantastique. Donc Hogan contre Yoko à SummerSlam. Intriguant comme match. 99. Parce que Jim D'Anvil fait son retour après son match contre Owen Hart va affronter Tolly Blanchard et Tolly Blanchard va l'emporter avec les pieds dans les cordes avec pour du leverage. Donc Blanchard va chercher une autre belle victoire, 86 pour Blanchard, 70 pour Jim Nyeart. À l'époque où Arn Anderson était à WWF avec Tolly Blanchard, les Brainbusters, ils avaient eu quelques matchs contre la Hart Foundation, c'était excellent, deux excellentes équipes. Donc on revisite un petit peu ça avec un match singles comme ça. Ark euh, et Blanchard ne sont pas de la carte de SummerSlam, mais on a d'autres plans pour eux par la suite. Rick Martel fait une promo, euh, parle de l'Undertaker, va dire... Le, le, ah, j'ai-tu fait mon segment que je voulais faire? Carlin, je pense que j'ai oublié. Pas grave. Euh, Martel qui dit que euh, Taker, à SummerSlam... Euh, il y a déjà une victoire sur l'Undertaker. Je ne comprends pas pourquoi que il faut qu'il gagne un deuxième match là, contre l'Undertaker. C'est déjà un zéro pour Rick Martel. Je ne comprends pas pourquoi qu'on qu continue. J'ai gagné. Et euh, Taker qui a, qui, qui, qui a attaqué là, euh, mes deux alliés, là, Bastion, Boger, puis euh, Mentor qui était supposé de, de m'aider. Ben, il n'y aura pas de poulet parce que euh, Taker euh, il a réussi à me mettre la main euh, autour du cou après. Et euh, l'Undertaker, ben, euh, il faut que je fasse les choses par moi-même. Fait qu'à SummerSlam, one-on-one, j'ai pas besoin de, de Lackey. Je vais m'occuper de toi. Puis tu vas voir que tu vas être pas mal plus beau bonhomme après notre match qu'avant. Je vais te faire une petite beauté là, quand tu seras euh, down. Un petit peu de fond de teint, puis toute la quête, un petit peu de parfum. Ça te ferait pas de tort. Puis Paul Bearer, pourquoi pas toi aussi. 100% pour la promo du modèle Rick Martel. On a par la suite Virgil qui va affronter Irwin, R. Scheister. Et Virgil, l'ancien euh, bodyguard de Ted Et il va manger une bonne contre IRS avec The Penalty. Ça donne un 83. DiBiase a fait du bon travail ringside. 56 pour Virgil, 86 pour IRS. Et IRS a pu son euh, négatif là, de Change of the Weight. Donc, il est maintenant un Light Heavyweight. Boom! 83. Et après le match, pour ajouter un petit peu d'insulte à l'injure, collateral damage, les deux gros Bigelow et Bundy vont arriver, vont attaquer Virgil à 3 contre 1. Et là, euh, Bundy et Shyster vont retenir Virgil à terre. Bam, bam, va monter sur la troisième corde. Et bien, bien sûr, le Big Boss Man va s'amener avec Barry Windham et avec Slick. Et ils vont chasser les heels. Euh, du ring donc euh, Bigelow euh, va, il va pas sauter de la corde, il va juste descendre ils vont juste quitter le ring BBC les ordonne de quitter le ring on dit. chaque chose en son temps c'est pas le temps à SummerSlam, c'est des one on one Bundy contre le Bossman et Wyndham contre IRS et euh, on va garder nos, nos forces on va pas euh, on, va, on va pas dépenser d'énergie pour ce bon à rien euh, comme Virgil là, dans le ring là. 100% pour le petit segment Team match, Par la suite, les Steiner Brothers vont affronter Well Done. Il paraît qu'on est dans le Southeast parce que les Steiner Brothers, dans ce coin-là, étant le coin de la WCW, 91 et 93 comparé au score qu'ils ont quand ils sont pas euh, dans le Southeast. Donc, victoire des Steiners en 10 minutes 5 lorsque Rick Steiner va défaire Timothy Well avec un Steinerizer. 91 et 93 pour les Steiners. 57 et 61 pour Well Done. Well Done comme équipe de Midcard, card sont pas si mauvais quand même. Donc 83 et les Steiners ont faire une promo et on, fait, on, fait, on a bien fait de faire la promo dans ce coin-là. Les Steiners font toute une promo. 93 on parlait du match à SummerSlam, le 4-Way. Les Steiners qu'ils écoutaient, nous autres, on est, on est venus ici pour faire notre marque là, en, en équipe. On est venus pour être champion, bien sûr. Et euh, on sait que c'est pas une affaire d'une de, de, semaine ou d'un mois qu'il faut builder. Euh, qu'il faut builder notre momentum. Il faut gagner plusieurs matchs et. On a la chance là, à SummerSlam Slam, d'avoir été mis dans un match four corner et les gagnants seront les number one contenders. Fait que, écoutez, y a des gens qui peuvent dire que c'est un shortcut, mais euh, on est invaincu à date. on on est prêt à travailler à, à, à devenir, euh, tu sais, des number one contenders et à en, en, en chercher ce match-là contre les trois autres équipes, incluant les Edge Drinkers qui semblent vou encore vouloir euh, attaquer les Steiners. On aura la chance d'affronter les Legion of Doom ou les Natural Disasters. Euh, donc, euh, bien heureux de ça. Et euh, voilà. Donc, un petit, un petit promo de babyface là, euh, qui sont là pour euh, embrasser les bébés et tout. Mr. Perfect va être là backstage, va faire une entrevue, va parler de Razor Ramon. Et là, Perfect dit Ramon, c'est moi qui t'ai amené à la WWF. C'est moi qui va te sortir d'ici. Et là, à un moment donné, quelqu'un va arriver dans le dos de Mr. Perfect. Va mettre les. va le prendre en position de. Hum, de, de, de prise du sommet de collier arrière. Et là, Perfect, c'est pas ce qui se trouve ce qui se passe. Rick Roode qui est là va lâcher la prise. Et là, Perfect se retourne, il voit Rick Rude, gros hug. Et là, euh, Rick Rude, qui, qui a surpris Mr. Perfect. Et là, il voulait pas y faire la prise du sommet. Pour vrai, son meilleur ami. Et là, va donner un câlin à Perfect. Les deux sont contents de se voir. Et là, Rick Roode qui dit qu'il va n'est euh, qu 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 pas encore medically clear pour euh, compete, mais qu'il va être là à SummerSlam backstage. Pour regarder le match entre Perfect et Ramon. Et qu'il sait que Mr. Perfect est bien capable euh, de montrer à ce jeune blanc-bec. Razor Ramon Chico. Que Kurt Hanig, Et un World Title Run attend Mr. Perfect. C'est ça qu'il n'a pas eu dans sa carrière. Et euh, pourquoi pas Perfect contre Rick Rude. Hein? Éventuellement le Perfect va donner la main à Rude. Il va dire effectivement. Ce serait quelque chose de le fun. Et euh, bien content de voir son bon ami Recruit. 100% pour le segment. Marty Janetty va affronter Jerry Sags par la suite. Euh, Jerry Sags qui a perdu son partenaire, euh, qui est parti avec la WCW. Janetty va chercher une grosse victoire en 11-42 lorsqu'il va battre Jerry Sags avec un diving fist drop. Ça donne 73 pour Janetty et 64 pour Sags. Robert Gibson fait une promo. Robert Gibson sera du main event qui s'en vient contre le Nature Boy Ric Flair. Et Gibson qui dit que c'est toute une chance pour lui d'avoir un match seul contre Ric Flair dans le main event des Superstars et il veut euh, Gibson, il veut s'en aller vers un, une singles run et ça va bien euh, à date là, mais là c'est sûr que Ric Flair c'est euh, tout un match et le main event va nous donner un 82, un match de 18 minutes 22. Ric Flair va l'emporter avec la prise en 4. Ça donne un 82. Ric Flair l'emporte clean. Bonne performance de Gibson qui a toffé 18 minutes contre Ric Flair. Ce qu'on qu pensait pas que c'était possible. Et Ric Flair, après ça, va prendre le mic. Il va dire. Euh, Ric Flair qui a une gimmick style. Ah hein, ouais. Flair. Flair puis va. Il faut changer leur gimmick. OK. Euh, et Ric Flair va prendre le mic. Et quand Ric Flair se fâche, là, ou qu'il fait une promo, quand il devient tout rouge, ben c'est ça qu'il va faire. Luger. Tu penses que tu es capable de me battre, de battre ton maker, celui qui t'a fait dans la, de, de, dans, dans la lutte, eh bien, à SummerSlam. Wouh! Tu vas payer et tu vas voir que jamais tu vas être supérieur à Ric Flair. Il n'y a, perso a personne qui va être supérieur à Ric Flair. Le Ric Flair qui lit les vents du coup qui sort, mon ami. Donc Ric Flair qui euh, can't wait for SummerSlam. Ça donne un 89, c'est ça que je pensais. On n'allait pas avoir un gros show. monte notre popularité dans 18 régions. On a protégé pas mal tous nos talents de se battre, à part IRS et Flair, qui sont de la carte là, de SummerSlam. Euh, Hulk Hogan dit que Virgil ne connecte pas, et John Nord dit que Bill Tab ne peut pas sell. Ok. Tu des bons mots pour vos, co vo vos collègues, les boys, des fois. C'est tout le temps des. Tu sais me semble. On me semble. Pas David Power. Certains s'en va bientôt. Medal en Joy Morale Johnny Polo. Qui n'a pas d'effet? On va rester dans le Southeast. Euh, 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 euh. Et au Baldwell Auditorium dans Birmingham, Alabama. On va booker nos deux B-shows, dont euh, le premier show qui est le All American Wrestling. Deux shows avant SummerSlam. On revient pour les résultats. All right, on est prêt pour les résultats de notre premier B-show au Boutwell Auditorium. C'est le All American Wrestling. Scott Putski va défaire Larry Hamilton avec un Polish Driver. 22 pour Putzke, 32 pour Hamilton. Et deuxième et dernier match de Pre-Show, les Power Twins vont affronter les Heartbreakers. Les Heartbreakers vont chercher une victoire avec le Hell Week de Big Tilly. 40 pour Big Tilly, 32 pour Tim Parker, 33 et 29 pour les Power Twins. Premier match de la soirée, Leaf Cassidy va affronter Adam Bomb. Et euh, bon match entre deux de nos euh, newcomers, deux gars qui qu devraient à un moment donné reach le middle, euh, euh, mid card ou upper mid card. Euh, Cassidy va emporter par count out. Adam Bomb va aller la terre à l'extérieur du ring, va vouloir le close line. Cassidy va faire un surpassement par-dessus les épaules à Adam Baum qui va atterrir dans le full le première rangée. Il n'y aura pas le temps de revenir dans le ring. Donc, Liv Cassidy va chercher une grosse victoire dans un singles match. Ça donne un 62. On a une entrevue par la suite, Teddy Long avec Paul Roma. Et là, Teddy Long qui va vanter les mérites de son nouveau client, Paul Roma. Et euh, Paul Roma sera du main event contre Jackie Fulton ce soir. Ça donne un 58. Tag Team match, les Heavenly Buddies contre Solar qui va faire équipe avec Dos Caras. Et Solar nous donne un bon 60. Solar, c'en est un qu'on devrait utiliser euh, dans des storylines. Euh, victoire des Heavenly Bodies lorsque Tom Pritchard va défaire Doug avec un Boston Crab. 60 à Pritchard, 55 à Jimmy Delray, 60 à Solar. Donc bon match. Diesel fait son Open Challenge. Il dit encore une fois, ils ont eu un gros challenge la semaine passée, mais cette semaine, c'est encore ouvert. N'importe qui qui pense être capable de battre Diesel. Euh, Venez-vous-en. 61. Et on a Max Moon qui va arriver et Diesel va affronter Max Moon. Va l'emporter avec son Jackknife Powerball en 8 minutes 11. Donc G Diesel avec un Jackknife. Ça nous donne un 54. Pas si pire, Il commence. Par la suite, de promo d'Everly Bodies qui vont encore une fois comme la, la semaine passée ou comme leur dernier match. Là, ils rient un peu de leurs adversaires. Ils vont rire de Dos Karas, de, de, euh, de Karas et Sola, ils vont dire... Euh, ils sont tellement allés. Tu sais, eux autres, c'est les Heavenly Bodies. Ils sont tellement là, il faut qu'ils mettent des masques. Ça n'a pas de bon sens, nous autres. Regardez ça, le charisme naturel qu'on a. Là, ils vont se vanter, ils vont se vanter. Et c'est tout. Un petit segment comme ça. Donc, les Heavenly Bodies qui ne euh, se prennent pas pour des 7-up. 54. Et le main event. Euh, Paul Romo va affronter Jackie Fulton. Il va l'emporter avec la descente du coup dans 8 minutes 23. Donc, 56 pour le match. 58 pour Paul Romo et 44 pour Jackie Fulton, Romain Million, c'est Rumble Skills avec ça. 58, je pense que c'est notre pire show de l'année. Les euh, commentaires et les postes de télé ne seront pas contents. On book notre dernier show de la semaine euh, avant et SummerSlam et c'est le Wrestling Challenge. Donc on revient avec les résultats à tout de suite. Alright, notre dernier show de la semaine. Devant 4219 personnes au Bathwell Auditorium. Jackie Fulton va battre Cybernetico en pré-show avec un 46. pas mauvais. Et euh, Solar va battre American Arkane par soumission avec un 60 pour Solar. On ouvre le show avec le 123 kid qui va affronter Bastion Bugger et le 123 Kid sur la troisième corde, prête pour son finishing move. Mais... Il va voir un gros bonhomme arriver avec une tête de Minotaur, Mentor qui va arriver. Et le one 23 Kid va être distrait par ça. Boger va en profiter pour euh, aller faire un avalanche sur le Kid. Euh, après ça, le Senton. 1-2-3. Victoire de Bastion Boger avec une distraction de Mentor sur le Kid. On a une entrevue par la suite avec Doug Furnace et Phil Laffont qui vont nous parler de leur parcours avant d'arriver à la WWF. Ils seront du main event ce soir pour affronter. Los Villanos, ils disent qu'eux euh, autres idéalisent beaucoup les Steiner Brothers. C'est une équipe qui qu sont contents de voir arriver à la WWF. Qui aimeraient ça un jour les affronter. Ça donne 56. Un combat de deux faces. Pour Henry Ho Godwin contre Tom Brandy. Brandy va chercher une grosse victoire avec un t -t Tilt World Slam. 47 pour Brandy, 46 pour Godwin. Promo des Natural Disasters par la suite vont parler des Legion of Doom et de leur titre par équipe. Ils disent qu'il est temps qu'il qu y ait finalement qu'il y une chance au titre par équipe. Après toute la dominance qu'ils ont eu, euh, finalement, ils vont être rewarded. Et encore une fois, l'histoire va se répéter pour les Legion of Doom. À toutes les fois qu'ils affrontent les Natural Disasters, ils ne sont pas capables de les battre. Donc, les Natural Disasters seront les nouveaux Tag Team Champions. 90 pour la promo. Hector Guerrero va affronter le Brooklyn Brawlers. Hector Guerrero l'emporte avec son finishing move qui s'appelle le Jalapeno Roll ou le Jalapeno Roll. <laughs> OK. Hector l'emporte 43-47 pour Hector Guerrero. Tatanka fait une promo, on va parler, il y a une Game Extel Tatanka aussi On va noter ça. je change avant le, le pay-per-view. Euh, Tatanka va parler de Crush, il va dire que Crush euh, est parti pendant quelques semaines, il est revenu, puis finalement, enfin, il va pouvoir affronter euh, Crush. Et Tatanka, il a, a tout fait pour Crush là, dans, les euh, dans, dans la dernière année, et là, Crush, c'est comme ça qu'il le repaye. Et euh, donc, Tatanka a bien hâte d'affronter Crush one-on-one. -on -one. Crush ne pourra pas sauver à SummerSlam. Et le main event, Los Villanos contre les Canem Express, et les Canem Express vont chercher la victoire. Euh, avec un Tiger Driver de Phil LaFon, 62 et 65 pour euh, Furness et Lafont, 59 pour Los Villanos. Los Villanos aussi donne des bonnes performances quand même. Et voilà. Donc 66. Termine le chat avec un 67. Toujours mieux que notre autre euh, b -show. Et c'est SummerSlam qui s'en vient. Fait qu'on va parler de la carte de SummerSlam. Oh boy. Uh, return to movies for Rowdy Piper. The star who landed the lead role is expected to begin filming in the next three months. Ça, ça veut dire qu'on Piper. Will leave begin filming in three months. C'est qu'on a juste Piper pour three mois. Parce que ça va filmer un film. Eh ben, on vient de le ramener. Puis on l'a juste three mois, Piper. Wanna be acteur. de de Ben. Mais c'est ça qui est ça. Hein? On, va, on va dealer avec ça. Euh, en attendant, merci d'avoir été là. On se revoit pour SummerSlam. Donc, soyez des nôtres pour SummerSlam. Bonne journée, tout le monde.